Eh oui, un nouveau The Big Game of Ski, ça n'attend pas. Et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, vous avez vu le jour. Mardi. Donc ça va être un shmup. Bon, ça tombe bien, c'est un shmup. Mais ça va être une nouveauté aussi. Puisque le lundi s'est fait salement squatter, il me semble, apparemment, par un numéro spécial. Que vous avez été nombreux à apprécier, je vous remercie. Et en fait, j'en sais absolument rien, vu que j'enregistre à l'avance. Donc, j'espère que vous serez nombreux et que j'ai apprécié. Je compte sur vous. Et donc aujourd'hui, bah, on décale la nouveauté du lundi qui passe en review pour la passer le mardi. Mais quelle nouveauté vous me direz? Eh ben, c'est un shmup, ça je l'ai dévoilé. Et ce shmup, c'est un shmup horizontal au doux nom de Wings of Blue Star. Est-ce que Wings of Blue Star c'est quelque chose de bien? Il faudrait que je le trouve. On va lancer ça, on va regarder ça ensemble. Ouh, ça c'est un arrêt super beau, ce que dites donc. Ça s'appelle un coup de patin en langage technique, non? J'ai oublié d'enlever le visuel. Oui, bah c'est... Ça compte pas comme fail. Non. Je suis pas d'accord. Pas si jeune. Pas dans la fleur de l'âge, bien entendu. Alors, capture de jeu. Bah t'es... Tout à l'heure ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas maintenant? Le quoi? F? Aïe, elle ne connaît pas ce mot. Alors donc on joue sur une version démo de Wings of Blue Star puisqu'il n'est pas encore sorti et qu'il est prévu pour débarquer, ben, normalement si tout se passe bien, vers décembre 2019. Vous allez voir qu'il a cette petite particularité malgré tout, puisque déjà le design ça va faire jaser, tant chez ceux qui apprécient que chez ceux qui n'apprécient pas vraiment. Alors vous allez voir les palettes de couleurs, oui c'est pas des palettes de couleurs super glauques. Genre, si tu es un peu gothique, tu vas avoir tendance à fuir. Regarde-moi tout ce pastel. Mais que se passe-t-il avec ce pastel? Alors il me semble que les gars c'est leur premier shmup. Donc va falloir être un petit peu tolérant quand même. Et puis, en général, un premier shmup dans une boîte, si ça marche, c'est le signe qu'il y en aura un suivant. Un petit peu son retour parce que j'aimerais bien qu'on entende mes commentaires sans que j'aille voir les. Alors oui, il nous le spécifie que c'est une démo et donc tout n'est pas fini, tout n'est pas définitif, mais on a la chance de pouvoir les mains dedans, mettre les mains dedans, et c'est quelque chose à côté de laquelle il serait stupide de passer. D'ailleurs je vous mettrai, bah, vous regarderez dans la description, l'URL pour aller choper la démo et vous faire vous-même votre propre idée. On a une sélection de vaisseaux qui ont une petite ressemblance avec un petit vaisseau d'une petite licence inconnue qui s'est fait crowdfunder avec succès il n'y a pas très très longtemps, c'est tout frais. Salut Artei. Bon, on va se la jouer modeste. Speed attack. Non, nous on est des défensifs. Hein. Alors comme même a précisé le studio de dev, c'est du fait main. D'ailleurs, ça se voit, quoi. Donc ça veut dire que tout a été dessiné, puis après scanné, remis en couleur, animé. Et c'est ce qui donne ce genre que certains apprécient, d'autres n'apprécient pas. Je fais partie des autres, hein. Je vous le dis tout de suite, je vais pas être traître. Parce que je trouve que ces shmups ont un rendu super plat, quoi. Et on voit qu'ils n'ont pas écouté les conseils de Monsieur K qui concernent les palettes de couleurs pour le fond, qui doivent être des demi-tons. Mais bon, on n'écoute jamais les vieux cons, c'est connu. Alors pour l'instant, c'est une démo, donc je pense que le niveau va être réglé pour être fastoche. Alors, on va essayer tout de suite mon shield. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Alors, je peux pas le tirer. Non, non, oui, peut-être. J'ai essayé les gâchettes, j'ai tout essayé. Et ici, il y a une touche que j'ai pas essayé, mais j'ai peur que ce soit la super bombe. Et je vais me l'économiser pour... ce moment fatidique où douleur, contrariété et boulettes un peu trop nombreuses vont se faire sentir. Vous voulez que j'utilise maintenant? Ok. Ah oui, forcément ça fait du ménage. Mais du coup j'ai plus de boucleur les amis.
Donc c'était pas vraiment une bonne idée. C'était même une très très mauvaise idée vu que les gens vont arriver de tous les côtés. Et que je vais être dedans. Mais je vais être dedans jusqu'au cou. Il me faut vite un shield. Il me faut vite un shield, sinon je ne finirai pas ce tableau. Salut. Le jeu. Eh, le jeu. Le jeu, y est. Un shield. Parce que tes bonus sont carton là, je m'en fous. Je prends la moindre prune, j'explose en 1000 morceaux. Ne me fais pas ça, on est en live. Non, enfin on n'est pas en live, mais tu es en train de te faire chroniquer, mon bougre. Et si j'arrive pas à faire voir un petit peu loin, je vais perdre de ma crédibilité. Et les gens vont vite quitter ce canal. Alors qu'ils étaient déjà des millions à s'abonner. Alors si on bouge pas trop avec le bouclier, c'est bien parce qu'il y a moyen que ça passe. Ça passe bien, quoi. Donc on voit qu'il y a un petit dilemme. Le bouclier. On peut l'envoyer sur la gueule des ennemis les plus retors, mais... comment dire? Il y a un petit problème après, quoi. Niveau pattern, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est du déjà vu. En plus, vu que le jeu est sur son niveau facile, pour faire voir un petit peu ce niveau, il m'en envoie pas du gros. Donc on pourrait comparer ça à quoi? Comment dire? Du classique. Du classique, mais pas compliqué en plus. C'est ça le souci. Alors apparemment, il y a un coef de risque quand on va chercher les bonus dans des moments pas très opportuns. On va décoller un petit peu le système de scoring qui m'a l'air travaillé à sa manière, c'est-à-dire un petit peu maison. Non, shield d'amour, je ne te jetterai plus jamais. On va faire tout le niveau ensemble. On est mariés pour la vie, je te le dis. Alors, les splits sont gros, c'est agréable. Mais je vous le répète, hein, le rendu du jeu, c'est... on aime, on n'aime pas, c'est une question de goût. Je vais éviter de juger l'aspect visuel et on va focus sur ce qui nous intéresse vraiment, la jouabilité. Bon là c'est un peu trop fastoche, on va dire. Oh putain, mais mon shield se barre au bout d'un moment. Mais il croyait me la faire lui. Rigolo de cirque. Donc voilà pour cette petite démo de Wings of Blue Star que vous pouvez télécharger. Je rappelle, description en dessous, je vous ai mis le lien. Quoi en penser? Très honnêtement, il faudrait que j'avance plus loin dans le jeu et que je le voie plusieurs niveaux pour me faire une idée de l'évolution de la difficulté. Et du coup, mettre ça en ratio avec sa jouabilité, puis son intérêt par rapport soit au scoring, soit aux difficultés qu'il y a pour passer à un moment. Dans l'état actuel, on peut être juste content qu'il y ait un nouveau titre de shmup qui soit apparu, mais on reste dans l'expectative de ce qui va valoir au final. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle review qui sera probablement un shmup, mais qui pourrait très bien être aussi une review nouveauté d'un titre d'un autre style complètement différent, ou bien... un stream à l'arrache, car il va y en avoir plein cet été. Suivez bien le hashtag SummerTBG. A tout bientôt les amoches, playlist habituelle et le bouton d'abonnement, vous n'y échappez pas. Ciao.